Sans surprise, c'est la grande attraction de ce match. Il marche sur l'eau depuis le début de saison. On reste ensemble. Le coup d'envoi, c'est pour très bientôt. Bonsoir à toutes et à tous, ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte, tout est prêt, ne manque plus maintenant que le coup d'envoi et ça sera enfin parti dans la cabine de commentateurs. Benjamin Da Silva, El Petiso et accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca, la Pulguita, et au programme ce feuilleton qu'on aime retrouver, la Ligue 1 avec cette rencontre et tout le monde est sur le qui-vive ici, c'est une très belle affiche qui se prépare. On parle toujours beaucoup avant, pendant et après le match. Mais quand le ballon se met à rouler, l'émotion dépasse la raison. Un œil sur la compo de cette formation. En 5-2-3, ça garantit l'utilisation des côtés. Mais attention à ne pas dépeupler le milieu. Il faut maintenir un bon esprit organisateur. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Marquinhos avec Milan Skriniar en défense centrale. Et enfin, ce duo en attaque. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon match. Le coup d'envoi de ce match avec le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Ouais, la pression et le ballon est bien protégé. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Et l'arbitre revient à la faute et donne le carton jaune. Famille Abraham. Ah, la différence est faite. Ah oui, il est revenu là à la charge et il récupère le ballon. Le ballon pour Kylian Mbappé. Tammy Abraham, attention. Et oui, but. Déjà 1-0, ça part très fort. Tout de suite, l'adversaire est plongé dans le doute. Le match est lancé. Il va falloir réagir. Pour moi, le ballon, il doit aller en retrait sur cette action. Mais là, on ne comprend pas trop son choix. Lui non plus, d'ailleurs. C'est reparti dans cette rencontre. Paris mène au score. Et ça, c'est un super élément, évidemment, de cette équipe. Reste à savoir à quoi maintenant on peut s'attendre durant ce match. Ça va être très difficile de l'arrêter. Très difficile. Son état de forme a été extraordinaire. Ça ne m'étonnerait pas que le record de but tombe bientôt. Attention. Oh, la parade du gardien. C'est bien frappé par Mbappé. Abraham bien placé. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Regrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Denzel Dumfries. Le ballon pour Dumfries. Interception décisive dans la surface.
Kwame. Mbappé en approche. Et le face-à-face à venir. C'est sauvé par le gardien. Quelle parade! Kwame. Et le ballon change de camp. Oui, faute, mais l'arbitre laisse l'avantage au PSG. Nuno Mendes reçoit le ballon. Et maintenant Nuno Mendes. Le ballon pour Fabian Ruiz. Abraham bien placé. Sans aucun effort pour le gardien. Mama Baldé. Et perte de balle, ça aurait pu être évidemment évité. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Abraham bien placé. Tentative placée, ça frôle le montant. Kylian Mbappé. Bon positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. Et l'intervention de l'arbitre pour signaler une position d'orge. Il aurait fallu attendre un peu plus pour donner ce ballon. Ah non, il est perdu ce ballon. Et un peu d'espace sur le côté. Ballon en corner. Ce corner peut leur faire beaucoup du bien. Le public ne s'y est pas trompé et s'est fait entendre. Ah, le corner bien tiré. Le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. C'est une bonne séquence d'attaque placée. Oui, le tir, le ballon n'est pas maîtrisé, attention. Ah non, ça s'arrête là. Ça, c'est un arrêt important. Il permet à son équipe de conserver leur avance. Ballon dangereux en profondeur. Oui, bien fait, c'est pour Abraham. Le réflexe sur ce ballon. Ballon qui est sorti, remise en jeu pour le Paris Saint-Germain. C'est un arrêt très important parce qu'il maintient l'équipe en vie à un petit but de l'égalisation. Dumfries à la réception. À suppression, mais excellente couverture. Et ça joue sur Abraham. Tammy Abraham, attention. Oh oui, la parade. Tammy Abraham avec le ballon. Attention, voilà un bon duel. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Le corner. Ah, il y a toujours le feu. Il faut se méfier, faire attention. Le ballon pour Fabian Ruiz. C'est au fond. Et un but important pour le PSG. Les Parisiens ont maintenant 2 buts d'avance. Qu'est-ce qu'elle fait la défense? Elle est partie où? Tu as le ballon dans les pieds, il y a le feu. La seule chose que tu as à faire, c'est d'appeler les pompiers. Mais au lieu de ça, tu fais un cadeau à ton adversaire. Ouais, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Kwame Chavalrin.
Le ballon circule très bien en attendant la faille. Et attention à cette frappe. Et un ballon sans souci finalement pour Donnarumma. Les stats nous montrent que la possession est pour le Paris Saint-Germain. Le ballon ne quitte pas leurs pieds et ça leur permet de construire brique par brique, passe par passe, des actions dangereuses. Le score n'est que le reflet de cette maîtrise du jeu collectif. Ah oui, mais regardez, il faut rester vigilant là. Ah non, c'est contré. Mama Baldé reçoit le ballon. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Fabien Ruiz. C'est pour Fabinho. Tammy Abraham. Dumfries à la réception. Et nous jouerons donc 2 minutes supplémentaires minimum. Xavier Chavalerin. Et les voilà en possession du ballon. Un face-à-face à négocier. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Et depuis le début, c'est un festival offensif de sa part. C'est un plaisir à regarder. La différence dans le foot, ça s'est fait souvent avec le dribble, le mensonge du corps, le contre-pied pour déstabiliser ton adversaire. Il a tous les ingrédients pour aller marquer un deuxième but. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et oui, but ! Déjà 1-0, ça part très fort, tout de suite. L'adversaire est plongé dans le doute. Attention! Oh, la parade du gardien! Abraham bien placé. Tentative placée, ça frôle le montant. Tammy Abraham avec le ballon. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Le corner. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. C'est au fond et un but important pour le PSG. Les Parisiens ont maintenant 2 buts. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Oui, c'est un bon ballon ça, attention. Le ballon pour Chavalerin. Ah, c'est un ballon pour les gants du gardien. Tammy Abraham. Fabian Ruiz reçoit le ballon. Dumfries, le PSG là qui peut se projeter dans le camp adverse. Aïe, la passe est manquée. Et le pressing pour empêcher la relance. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé. Coup franc à venir évidemment. Et peut-être un avertissement aussi. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis. Alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Et c'est pour Mama Baldé. Le ballon pour Chavalerin. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Et à venir, nous aurons un rendez-vous de Ligue 1 à vous proposer. 3 affrontera Toulouse. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Aymeric Laporte. À la réception de Nuno Mendes.
Famille Abraham. Eh, c'est bien donné ça. Le ballon pour Dumfries. Et il remporte son duel, bien défendu. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Voilà le bon geste défensif, c'est contré. Ah, le ballon est dégagé, ça sort en corner. Il est plein d'espoir, le public, avec son corner. Une bonne occasion de se remettre à l'endroit. Ah, le corner bien tiré, très bonne sortie et un ballon qui ne l'échappe pas malgré la pression. Fabinho. Et à suivre bientôt ensemble au programme, ça sera un match de Ligue 1, le PSG à Clermont. Effectivement, j'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter pour n'importe qui. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Quelle belle occasion gâchée, le ballon file en 6 mètres. Nuno Mendes. Mbappé. Kylian Mbappé. Ah, ça arrive sur Mbappé. Fabian Ruiz avec le ballon. Le ballon pour Fabian Ruiz. Ah, ça joue sur Abraham. Voilà, bien joué, bonne défense. Maintenant il faut bien utiliser le ballon. Paradon de la part du gardien. Et un changement donc. Ah, c'est joué par Mbappé. Ah, il y a toujours le feu. Il faut se méfier, faire attention. Le ballon pour Dumfries. Eh oui, avec Mbappé. La frappe pour le but peut-être. Oh, c'est bien défendu. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ah, le ballon intéressant. Ah, il y a encore danger. Allez, la bonne parade du gardien. Petit jeu court. Oui, c'est contré. Bonne défense. Oui, joli réflexe. Kylian Mbappé. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Merci. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Dumfries à la réception. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Fabinho avec le ballon. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. À deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action. Un corner qui est bien ajusté. Non, le geste défensif est manqué. Le danger reste présent. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement.
Interception réussie, ballon récupéré. Avec Kylian Mbappé. Et maintenant Carlos Soler. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Et l'équipe peut jouer le contre. L'action était bien partie et finalement c'est perdu. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Mama Baldé. Et ça joue sur Reine Adélaïde. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Fabian Ruiz. Le ballon pour Nuno Mendes. Et ça joue sur Martial. Un bon pressing, ballon récupéré. Le ballon pour Dumfries. Et maintenant Carlos Soler. Position de hors-jeu dans la surface et l'arbitre donc met un terme à cette action. Oui, ça ne va pas. Trop de passivité sur ce ballon. Mauvais positionnement. Trois minutes minimum ajoutées par l'arbitre. Ah, c'est perdu ce ballon par Martial. Mama Baldé. Le ballon est intercepté. Et voilà, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. C'est une victoire pour le Paris Saint-Germain. On leur souhaite de remporter tous leurs matchs de la même manière, avec ces deux buts d'écart. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et oui, but ! Déjà 1-0, ça part très fort. Tout de suite, l'adversaire est plongé dans le but. Attention ! Oh, la parade du gardien ! Abraham bien placé. Tentative placée, ça frôle le montant. Tammy Abraham avec le ballon. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Le corner. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. C'est au fond et un but important pour le PSG. Les Parisiens ont maintenant deux buts d'avance. Elle pressing pour empêcher la relance. Voilà, bien joué, bonne défense. Maintenant, il faut bien utiliser le ballon. Paradon de la part du gardien. Et un changement donc. La bonne parade du gardien. À deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage.
Merci de nous accorder ces quelques minutes après ce match pour répondre à nos questions. Voilà, c'est tout. Merci encore. On voit Kylian Mbappé. C'est un joueur dont le rendement est impressionnant puisqu'il est le Pichichi, le meilleur buteur du championnat pour l'instant. Bonsoir à tous. La nuit vient de tomber sur la capitale. Le Parc des Princes vous accueille. Dans la cabine de commentaires, celui qui est passionné par la chanson française et qui m'accompagne depuis trop longtemps maintenant, Omar Da Fonseca. On retrouve tout de suite notre cher championnat de France avec cet intéressant duel en Ligue 1. Et c'est une ambiance de grande fête, beaucoup d'émotions en plus. Je suis très heureux de partager ce match avec vous, parce que c'est ça le foot, c'est la joie du partage. Le numéro 25, Nuno Mendes. Le numéro 13, Fabinho. Le numéro 28, le numéro 8, Fabian Ruiz. Le numéro 9, Tammy Abraham. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Marquinhos avec Milan Skriniar en défense centrale. Et donc pour finir cette formation avec deux éléments offensifs. Et voilà la compo officielle de cette équipe. En 5-2-3, ça garantit l'utilisation des côtés. Mais attention à ne pas dépeupler le milieu. Il faut maintenir un bon esprit organisateur. Le Parc des Princes, c'est maintenant à vous de mettre l'ambiance. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Ah oui. Oui, la belle incursion là. Ah voilà, il suffit de le dire, et finalement derrière le ballon est perdu. Et il y a du nouveau à Marseille, un but au stade Vélodrome. Oui, il s'agit du premier but en faveur de l'OM. Un but à zéro donc, après 4 petites minutes de jeu. Très bien, et tenez-nous au courant pour la suite du match. La meilleure attaque se mesure à la plus mauvaise, normalement, on devrait avoir un match à sens unique. Pas sûr, le football c'est le jeu de l'incertitude, de l'imprévisibilité, de cette capacité de surprise. Ce qui serait surprenant pour l'équipe visiteuse déjà, c'est qu'elle marque des buts. Et pourquoi pas? Moi je ne regarde jamais derrière, toujours devant. Le possible et l'avenir, toujours le pare-brise, jamais le rétroviseur. Face à face avec le gardien. Le ballon est bien frappé mais ça sort en 6 mètres.
Magnin. Avec Saïf et Dinkaoui. Eh oui, la bonne passe là. Et attention à cette frappe. Elle s'est captée sans problème par Donnarumma. Le Paris Saint-Germain reste sur une victoire lors de sa dernière sortie face à 3. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? Oui, ça s'est terminé par un score de 2-0. Une victoire à l'extérieur assez nette. Je les vois bien poursuivre sur leur bonne lancée et gagner à nouveau aujourd'hui. Ben, c'est joué par Mbappé. Énorme parade du gardien, incroyable! Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves! Un corner qui est bien ajusté. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée, aucun problème. Paris avec le ballon pour tenter quelque chose. Attaque parfaite et en prime, le ballon est récupéré. Oui, il y a un peu de champ là sur le côté. Ah, c'est parfaitement défendu ça. Et ça joue sur Abraham. Le ballon pour Dumfries. Et maintenant Carlos Soler. La frappe. Excellente intervention. Un peu plus et c'est tout le stade qui vient le jouer ce ballon. C'est bien frappé par Mbappé. C'est dégagé, aucun problème. Ça sort des limites, c'est une touche. Je vous rappelle que les billets pour le prochain match sont Johan Magnin à partir de demain en boutique. Bien fait ça, sans faute. Nuno Mendes. Tammy Abraham avec le ballon. Oui, c'est contré, bonne défense. Depuis un quart d'heure environ, le Paris Saint-Germain a pris le match en main et ça leur donne de bonnes séquences offensives pour essayer de prendre l'avantage. C'est très usant pour l'adversaire. Et peut-être une nouvelle occasion là. La réception de Carlos Soler. Ouais, très bien défendu. Kaoui. Kaoui. Oui, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Magnin. Et le gardien s'illustre bien. C'est bien parti pour ce corner. Attention, c'est pas terminé. Il y a un retour de position de hors-jeu qui est signalé sur cette action. La passe, c'est aussi un art du tempo. C'est de la musique. Johan Magnin. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Ah, le danger est écarté.
Fabien Ruiz. Et je viens d'avoir l'info, un but a été marqué sur un autre terrain. Voyons ça ensemble. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de Nice. Un but à zéro donc, alors qu'on joue ici depuis 39 minutes de jeu. Très bien, et tenez-nous au courant pour la suite du match. Bonne intervention, la passe est interceptée. Tammy Abraham. La balle vers Kawi. Aïe, la passe est manquée. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Ah, le pressing paye, ballon récupéré très haut. L'occasion de prendre l'avantage. Et voilà, c'est le but pour faire la course en tête et pour terrasser l'adversaire. Regardez, l'option de passe était ouverte, il n'a absolument rien sur le contact. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il se passe, on se mélange les crayons. Et voilà le coup de sifflet, c'est la mi-temps au Parc des Princes. Le coup d'envoi est le premier ballon de la rencontre. Face à face avec le gardien. Le ballon est bien frappé, mais ça sort en 6 mètres. Et c'est joué par Mbappé. Énorme parade du gardien, incroyable! Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves! Et maintenant Carlos Soler. La frappe. Excellente intervention. Un peu plus et c'est tout le stade qui vient le jouer ce ballon. Et le gardien s'illustre bien. Et voilà, c'est le but pour faire la course en tête et pour terrasser. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec le Paris Saint-Germain qui a un but de retard. Avec Kylian Mbappé. Ouais, la pression et le ballon est bien protégé. Un ballon pour Carlos Soler. Tammy Abraham avec le ballon. Et non, finalement, ça n'apporte rien. Et à venir, nous aurons un rendez-vous de Ligue 1 à vous proposer. Clermont affrontera 3. Et oui, le football, c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football.
a l'occasion de faire parler sa frappe. Et le gardien était bien vigilant. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Johan Magnin. Ouais, très bien, la bonne protection de balle. Magnin. Interception en pleine surface de réparation. Mbappé. Le ballon change de camp. Magnin. La balle vers Kawi. Très bien, cette protection de balle. Et il remporte son duel, bien défendu. Alors, on me signale un but dans un autre match. On va aller aux nouvelles afin d'en savoir un petit peu plus. Oui, c'est le premier but en faveur de Lens. Ça fait donc un but partout après 61 minutes de jeu. Et voilà, donc c'est bien noté. Merci et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Marquinhos vient intercepter là-dessus. Le PSG là qui peut se projeter dans le camp adverse. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et maintenant Carlos Soler. Oui, la frappe. Oui, joli réflexe. Et l'arbitre avait bien noté cette faute au départ. La preuve avec le carton jaune. C'est bien parti pour ce corner. Kawi. Magnin. Voilà une attaque qui progresse bien. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Denzel Dumfries. Famille Abraham. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Ah, on dit qu'un but vient d'être inscrit au stade Vélodrome. Oui, c'est le troisième but pour Marseille. Un but inscrit par Matteo Guendouzi et le gardien qui s'est totalement troué sur cette action. Ce qui porte maintenant le score à 3 buts à 1 alors que la rencontre... Kylian Mbappé. Oh, quelle intervention magnifique. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Bien frappé par Mbappé. Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Le ballon pour Fabian Ruiz. Et maintenant Dumfries. Ah, peut-être l'égalisation. Intervention du gardien. Une première bonne occasion depuis longtemps avec son corner. Le public pousse et il y croit à cette égalisation. Le PSG qui va faire un changement. Le numéro 10. C'est bien frappé par Martial. Le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Et le danger est éloigné. Un navré d'avoir été obligé de vous interrompre. Confirmation donc. L'OM vient de marquer un but. Le score s'alourdit. Ça fait maintenant 3 buts à 1. Alors qu'un but vient d'être marqué sur une autre pelouse. On va aller voir de quoi il s'agit précisément. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but en faveur d'Angers. Un but d'Adrien Hunou sur une frappe de 25 mètres.
Ça fait donc un but partout après 79 minutes de jeu. Et voilà, donc c'est bien noté. Merci et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Oui, en position illicite, hors jeu sifflé par l'arbitre. L'appel était intéressant malgré tout. Allez, changement donc. Changement pour le Paris Saint-Germain. Joueur sortant, le numéro 13, Fabinho. Son remplaçant, le numéro 14, Marcelo Brozovic. Plus que quelques minutes à jouer dans cette rencontre et pour l'équipe à domicile, ça devient un peu compliqué. Il reste encore du temps pour Paris et le temps ouvre l'espoir. Le risque de se découvrir doit s'imposer comme tactique. Toujours oser et ensuite doser. Attention, ce n'est pas fini. Oh, c'est dedans. Le ballon relâché et derrière, ça ne pardonne pas. Goal. La balle est relâchée au deuxième poteau et forcément c'est plus facile pour la mettre au fond. Mais il faut se trouver au bon endroit, au bon moment. Il y a de la chance dans la football, mais ça ce n'est pas de la chance, c'est de l'anticipation. Il y a du nouveau dans une autre rencontre avec un but marqué apparemment. Oui, deuxième but à l'instant pour Strasbourg. C'est un but inscrit par Habib Diallo. Pas le plus difficile à mettre. On en est donc à 2-1. Alors que le match a débuté il y a 86 minutes. Ok, très bien. Tenez-nous au courant. Jamais évident de siffler des fautes dans la surface. Mais pour les supporters, le pénalty était flagrant. Ils ne sont pas contents. Fabien Ruiz avec le ballon. Tir contré sans difficulté. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Ah, le ballon est intercepté in extremis, magnifique. Fabien Ruiz. Ça joue avec Anthony Martial. Oui, la belle incursion là. Le ballon pour Laporte. C'est contré sans problème. Le coup de sifflet final ici. Et donc les deux équipes vont rester là. Et l'équipe visiteuse vient chercher une belle victoire. Quel soulagement pour cette équipe! Ses capacités offensives s'expriment enfin. Ça a été long, douloureux. Mais l'effort poussé par l'illusion est invincible. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Face à face avec le gardien. Le ballon est bien frappé, mais ça sort en 6 mètres. C'est joué par Mbappé. Énorme parade du gardien, incroyable! Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves! Et maintenant, Carlos Soler. La frappe. Excellente intervention. Un peu plus, et c'est tout le stade qui vient le jouer, ce ballon. Et le gardien s'illustre bien.
Et voilà, c'est le but pour faire la course en tête et pour terrasser l'adversaire. À l'occasion de faire parler sa frappe. Et maintenant Carlos Soler. Oui, la frappe. Oui, joli réflexe. Et l'arbitre avait bien noté cette faute au départ. La preuve. Kylian Mbappé. Oh, quelle intervention magnifique. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Et maintenant Dumfries. Intervention du gardien. Une première bonne occasion depuis longtemps avec ce corner. Le public au bout. Attention, ce n'est pas fini. Oh, c'est dedans. Le ballon relâché. Et derrière, ça ne pardonne pas. Voilà, c'est l'heure de la réaction à chaud de l'entraîneur. Mais tout d'abord, merci de votre disponibilité. Encore merci à vous pour votre disponibilité.